deberías hacer hoy mismo el registro consular. 1. Facilita su localización y asistencia en caso de emergencias o desastres, como la crisis actual por COVID-19. 2. Facilita la pronta comunicación con sus familiares en Colombia en caso de emergencias o desastres. 3. Le permite recibir electrónico información de mucho interés del Consulado de Colombia en el cual se encuentra registrada. 4. Hacer el registro consular le toma alrededor de 5 minutos. Ingrese a www.cancilleria.gov.co o desde su celular a la app Mi Consulado. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous êtes là? Bonjour Brenda. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bonjour Luz Marine, bonjour Rosa, Esther, Sandra, Christiane, bonjour Hector, bonjour Hugo, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Bonjour Marie-Eugénie, bonjour Daniela. Je suis contente d'être là encore une fois pour le cours de français. Je vois qu'il y a déjà les gens qui se connectent d'habitude, donc je vais commencer. Ok, donc comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue à notre cours français niveau débutant, toujours avec Colombiana Sune et avec Linkade, notre association. Comme d'habitude, je vous rappelle l'adresse de notre blog, coursoefrancaisseetnous.blogspot.com, où vous pouvez trouver les liens des lives précédents de Colombiana Sune, les présentations et des exercices. J'ai vu que vous avez eu des problèmes avec les lives de la semaine dernière, de jeudi dernier. Je ne sais pas pourquoi, mais Facebook l'a bloqué. Et no sé por qué, pero el live que hicimos la clase pasada hubo problemas y Facebook lo reportó como que violó derechos de autor. Pudo ser por la canción que mostramos. Entonces, a las personas que están en Colombia no se les ve. Pero igual queda la presentación para que puedan ver los temas. Igual no vimos tanto tema. E igual vamos a hacer una revisión. Israel, ¿cómo hago para adelantarme en clases pasadas? Pues entra al curso de francés, al blog, y ahí puedes ver todas las entradas del blog. Ya llevamos 20 clases y ahí puedes ver los links a los videos anteriores y las presentaciones. Donc, como je vous dis, c'est la séance 20, on est à la semaine 10 sur 24 et tous les cours sont enregistrés. Je veux faire une révision d'abord, donc on va réviser les verbes modaux. Les verbes modaux, vous les avez vus avec David la semaine, non, le mardi passé. Donc, les verbes modaux, c'est la volonté, la possibilité et l'obligation. Pouvez-vous me dire quel verbe pour la volonté, quel verbe pour la possibilité et quel verbe pour l'obligation? Quels sont les trois verbes associé à la volonté, à la possibilité, à l'obligation. ¿Cuáles son los verbos que estamos asociando a voluntad, posibilidad y obligación?
Quels sont les verbes en français? Quels sont les verbes qui expriment volonté, possibilité et obligation? David, vous l'avez expliqué le mardi passé. Quels sont les verbes? Quels sont les verbes? Je ne vois pas de réponse. Ok, je vois une réponse. Rosalbida. Hugo aussi. Oui, très bien. Donc, vouloir, pouvoir, devoir. Vouloir pour la volonté, pouvoir pour la possibilité et devoir pour l'obligation. D'où le fait qu'on dit un devoir ou una tarea. Donc, ce que je veux maintenant, c'est avec ces trois phrases, vous allez me dire si la phrase exprime la volonté, la possibilité ou l'obligation. Vous allez me dire pour chaque phrase quel type de verbe on est en train d'utiliser. Donc, je vais commencer. Et les copains, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Et les copains, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on est en train d'exprimer avec cette phrase? Quel type de verbe nous sommes en train d'exprimer avec cette phrase? Ok, je vois. Hugo, très bien. La volonté. Justement, c'est ça, c'est la volonté. On est en train d'exprimer la volonté. La volonté. Pourquoi? Parce que c'est le verbe vouloir. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Et les copains, qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? La volonté, oui. Ensuite, les oiseaux et les moustiques ne peuvent pas vivre sous l'eau. Les oiseaux et les moustiques ne peuvent pas vivre sous l'eau. Quel type de phrase on est en train de construire? Quel type de... qu'est-ce que l'on veut exprimer avec cette phrase? Est-ce qu'on veut exprimer la volonté ou la possibilité ou l'obligation? Avec cette phrase, les oiseaux et les moustiques ne peuvent pas vivre sous l'eau. Ok, je vois déjà tes réponses. Rosa, Johan, Hugo, très bien. Estelle, tu as eu une petite erreur. C'est bien, c'est la possibilité. La possibilité, pourquoi? Parce que c'est ne peuvent pas, no puede. C'est la possibilité, ils ne peuvent pas. La possibilité, pouvoir, c'est le verbe pouvoir. Et la dernière, Max doit faire le devoir avant d'aller jouer. Max doit faire le devoir avant d'aller jouer. Qu'est-ce que l'on est en train d'exprimer? Max doit faire le devoir avant d'aller jouer. C'est l'obligation. Oui, c'est l'obligation. L'obligation parce que c'est le verbe devoir. Devoir, devoir. Max doit faire le devoir. C'est l'obligation. Très bien. Alors maintenant, ce que je veux, c'est on a déjà appris à différencier si c'est possibilité, obligation ou volonté. Maintenant, ce que je veux, c'est en fonction de ce qui est écrit dans la parenthèse, vous allez me dire comment bien conjuguer les verbes. Ahora, vamos a cambiar un poquito el ejercicio. Con lo que está escrito entre paréntesis, van a asociar el verbo correcto y la conjugación correcta. Comment bien conjuguer les verbes associés à la volonté? Donc, comment bien conjuguer le verbe vouloir? Edouard, écrire une carte postale à sa copine. Comment on va conjuguer ici le verbe vouloir à la troisième personne? Comment on va conjuguer? Edouard, écrire une carte postale à sa copine. Comment on conjugue le verbe vouloir ici? Claudia, Valeria, Rosa, Margot. Oui, très bien. Hugo,
vous êtes au taquet. Edward veut écrire une carte postale à sa copine. Ensuite, je suis très malade. Je veux aller à l'hôpital. Et c'est l'obligation. Comment on conjugue l'obligation avec je? Comment on conjugue devoir avec je? Je suis très malade, je veux aller à l'hôpital. Rosa, c'est l'obligation, ce n'est pas la possibilité. C'est l'obligation. Oui, oui, très bien, Claudia, Valeria, Hugo, Daniela, super, très bien. Je dois aller à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. Je dois. C'est avec S. Je dois aller à l'hôpital. Le verbe devoir, ça c'est conjugué doit. Je dois aller à l'hôpital. Ensuite, Erika et moi, nous, faire du télétravail. Possibilité. Comment on dit? Erika et moi, nous, faire du télétravail. C'est la possibilité. Oui, oui. Johan, c'est pas peuvent parce que on dit Erika et moi, nous. Donc c'est nous pouvons. Nous pouvons. Quand tu dis peuvent, c'est ils peuvent. Nous pouvons faire du télétravail. Nous pouvons faire du télétravail. Ensuite, tu parles français. Donc tu comprendre les discours de Macron. Encore une fois, c'est la possibilité. Comprendre, donc tu comprendre les discours des Macron. Oui, ah mais vous êtes très fort. Bravo Valeria, bravo Rosa, Daniela, Hugo. Vous êtes très bien là. Tu peux, Claudia aussi. Donc tu peux, tu parles français. Donc tu peux comprendre les discours des Macron. Si tu hablas francés, entonces tú puedes entender el discurso de Macron. Les clients ne pas payer à cause du mauvais service. Volonté. Les clients ne pas payer à cause du mauvais service. Ici, c'est la négation, mais c'est les verbes pour la volonté. Les clients n'est pas payé à cause du mauvais service. C'est le verbe de la volonté. Oui. Ne veulent pas payer. Les clients ne veulent pas payer à cause du mauvais service. Les clients ne veulent pas. Donc, quand tu veux, donc ils veulent, ils ne veulent pas. Ils veulent, ellos quieren. Ils ne veulent pas, ellos no quieren. Les clients ne veulent pas payer à cause de mauvais services. Bah, très bien. Bravo, vous avez bien compris les thèmes. Donc, on va passer au suivant. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021. Qu'est-ce que je vous propose de faire aujourd'hui? On va faire un cours complètement dédié à la révision. Notamment, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plein d'exercices aujourd'hui par rapport au thème de l'espace. Donc, depuis le 16 août, on a commencé le grand thème qu'on a appelé l'unité de l'espace. Et qu'avons-nous appris jusqu'ici? Qu'avons-nous appris jusqu'ici? Desde más o menos el 16 de agosto, más o menos hace un mes, empezamos a ver la unidad del espacio. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora con esta unidad? Je veux savoir qu'est-ce que vous avez retenu. Est-ce que vous pouvez me donner une liste des thèmes qu'on a déjà vus en cours? Qu'est-ce qu'on a déjà vu en cours? Qu'est-ce qu'on a appris par rapport au thème de l'espace? Souvenez-vous, quels sont les thèmes qu'on a vus pour les thèmes de l'espace? ¿Qué temas hemos visto en esta unidad del espacio? Quiero saber qué han retenido.
Los leo. Je vous lis. Qu'est-ce qu'on a vu avec cette unité de l'espace? Que hemos visto? Que temas hemos visto? Que hemos aprendido? Je vous écoute, je vous lis. Esther, qu'est-ce qu'on a vu? Quelles activités nous avons faites? Ce c'est, oui, les pronoms. Indiquer les chemins, oui, Valérie, très bien. Indiquer les chemins. Les points cardinaux, oui, on a appris ça. Les lieux, le point cardinaux, oui, donc on a vu les lieux de la ville, c'est bien. Quelle autre chose? J'aurais dit le nord, on a appris le nord, oui. Des lieux, on a appris à dire plein de lieux différents. Le moyen de transport, Valéria, oui. Les pronoms toniques, oui. Qu'est-ce qu'on avait pris d'autre? Voilà, c'est bien. Donc, on a appris aussi à présenter notre pays, à dire d'où on vient et où nous habitons. Présenter son pays, d'où on vient, où nous habitons. On a appris à dire « je viens de Colombie, je viens de France, je viens du Portugal, je viens des Pays-Bas ». Et on a appris aussi à dire où nous habitons. J'habite à Paris, j'habite au Brésil, j'habite en Colombie, j'habite aux Pays-Bas. Comment faire une invitation? Oui, on a appris à indiquer la destination. C'est tout à l'heure, on a dit comment faire une invitation, les jours de la semaine, les moments de la lumière aussi, super. Les moyens de transport. Nous avons appris à s'informer sur un lieu, donc vous avez dit les points cardinaux, bravo. Les lieux d'une ville, donc plein de lieux d'une ville. On a appris à demander son itinéraire et indiquer un chemin, donc dire je cherche le musée du Prado, pouvez-vous m'indiquer les chemins? Et ensuite on peut dire oui, pour aller au musée du Prado, vous pouvez prendre la rue tout au long des... Vous pouvez prendre la rue tout droit et ensuite, au bout de la rue, tourner à droite, indiquer un chemin, una dirección. Demander son itinéraire et indiquer un chemin es preguntar por una dirección y dar una dirección. On a appris à proposer une invitation ou proposer une sortie. On a appris à proposer un apéro, aller au brunch, les activités qu'on avait fait. Les temps, on avait appris à dire l'heure, les jours de la semaine. Et pour les verbes, il y a les verbes faire, c'est vrai, Clara. Je ne l'ai pas mis ici, mais on a appris le verbe faire. Faire du sport, faire de l'aviron, faire du tennis. Le verbe venir, habiter, aller, prendre, le verbe modo. On vient de pratiquer. Et pour la grammaire, c'est bien, vous l'avez dit, on a appris les pronoms toniques, on a appris les présentatifs, les questions ouvertes et fermées, les prépositions. Entonces, vean, aquí yo resumí un poquito. Aquí resumí un poquito, pero en este mes que ha pasado, un mes larguito ya, hemos aprendido demasiadas cosas. Por eso, el objetivo de esta clase es volver a hacer un recorderis un poquito y refrescar esos temas porque quiero ver cómo están en esos temas. On va commencer. On va faire une révision des thèmes vus en cours. On va commencer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour commencer la révision? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer la révision? ¿Están listos para empezar? J'ai vu que vous participez beaucoup. J'ai besoin de votre participation. Para este curso necesito mucha participación. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux maintenant? Maintenant, ce que je veux, c'est vous allez indiquer la provenance et la destination.
Donc, ce que je veux pour cet exercice, c'est vous allez conjuguer correctement le verbe « aller »,« venir » et « habiter » en faisant attention à utiliser la préposition correcte. Ici, je vous donne une piste. La préposition, vous allez l'utiliser en fonction du genre et du nombre. Attention, para el ejercicio que viene ahora, vamos a conjugar correctamente los verbos aller, venir, habiter, dependiendo de la frase. Y lo que quiero es que no solo conjuguen bien el verbo, pero también que coloquen la correcta preposición. Recuerden que la preposición depende si un país es masculino o femenino, si es un lugar plural o un lugar singular. Entonces, quiero que presten atención para cuando me van a dar la respuesta. On va commencer. Alors, la première phrase. Je venir Colombie, mais je habiter Portugal. D'abord, on va se concentrer ici. Quand on dit Colombie, comment on doit conjuguer et rajouter la préposition à venir? Recuerden que no solo se dice je viens, pero hay que agregar una con una preposición, porque el verbo se construye venir plus de. ¿Cómo se dice? C'est le verbe venir. Donc, je vois Maléa, tu réponds je viens. Oui, ça c'est une partie de la réponse. Je viens es una parte de la respuesta. Pero, ¿con qué preposición hay que escoger venir para los países? Oui, donc là, je vois qu'il y a seulement deux personnes qui ont donné déjà la bonne réponse. Clara aussi. Ok. Esther, ça c'est... Esther, c'est pas correct. Donc, la réponse correcte, Margot, Clara et Valeria, vous l'avez correcte, c'est « Je viens de Colombie ». ».« Je viens de Colombie ». Pourquoi « Je viens de Colombie » ? Il faut dire, pour former le verbe « venir de », il faut se poser la question. Est-ce que je suis en train de parler d'un pays féminin? Est-ce que je suis en train de parler d'un pays masculin? Ou c'est un pays pluriel? País femenino, masculino o plural. La Colombie, c'est un pays féminin. Donc, on dit « vient venir de » avec « de » comme ça pour les pays féminins ou des pays sans article. Je viens de Colombie. Venir de la Colombie, ce n'est pas correct. Venir de la Colombie, non, c'est correct. De là, non, se utilise para país. On dit viens de plus pays féminin. Viens de. Je viens de Colombie. Mais j'habite au Portugal. Le Portugal, c'est un pays masculin. Donc, j'habite au Portugal. Je viens de Colombie, mais j'habite au Portugal. Je vois, vi muchas personas que copiaron « Je viens de la Colombie ». Attention, porque para los países, c'est la construcción para países es « de ». Femenino es « de ». De. Países masculinos es « Je viens de ». Países plurales es « Je viens de ». D-E-S. Y países sin artículo como Mónaco, Madagascar, también es « Je viens de ». Et pour le suivant, vi también la réponse, j'habite au Portugal. Là, j'ai vu plus de bonnes réponses. C'est habiter à. Camila, tu pusiste j'habite à Portugal. Attention, Portugal est un pays masculin. C'est pour ça qu'on met au. J'habite au Portugal. J'habite au Portugal. Je viens de Colombie, mais j'habite au Portugal. Maintenant, ici, Eduardo. Comment on doit conjuguer ici Eduardo, venir Italie et aller Philippines. Ok.
de nuevo, recuerden, ahí estoy viendo Mari, Margarita, très bien pour la conjugación du verbe venir, pero atención para él en la preposición. Je vois pas mal de personnes qui ont déjà ont des bonnes réponses. Valeria, très bien. Camila, tu t'es trompée avec la conjugaison de venir. Mais sinon, c'est correct. Estelle aussi, très bien. Eduardo vient d'Italie. Eduardo vient d'Italie. Eduardo vient d'Italie avec des apostrophes parce que Italie, c'est un pays qui commence par voyelle. Eduardo vient d'Italie. Et il allait aux Philippines. Comment on dit? Comment on conjugue le verbe aller? Il y a des personnes qui disent déjà. Attention, c'est aller à. Le verbe, c'est aller à. Voy a. Aller à. Comment on va conjuguer? Je vois qu'Esther, elle a déjà la bonne réponse. Margot, presque. Oui, Margot, c'est bon, la bonne réponse. Valeria, Mari. Oui, très bien. Il va aux Philippines. Eduardo vient d'Italie et il va aux Philippines. Eduardo viene d'Italia, pero va et il va à Philippines. Aux Philippines. Donc, très bien, parce que le Philippines, c'est un pays pluriel. C'est pour ça que la préposition A devienne AUX. Ensuite, mes parents habitaient Paris et ils allaient supérer tous les matins. Mes parents habitaient Paris. Comment on dit? Mes parents habitaient Paris. Habiter plus, quand on dit habiter plus ville, on utilise comment? Je vois Rosalbida, très bien. Estelle aussi. Margarita, très bien. Attention, c'est habiter à la construction. Valeria, très bien. Hugo aussi. C'est mes parents habitent à Paris. Mes parents habitent à Paris. Parce que c'est habité plus A pour le ville ou pays sans article. Donc, on peut dire mes parents habitent à Paris, mes parents habitent à Madrid, à Medellín, à Cali, mes parents habitent à Madagascar, à Monaco. Ensuite, et il allait supérette. Souvenez-vous, c'est la supérette. La supérette. C'est la supérette. Et il. Allez, supérette. C'est la supérette. La supérette, le supermarché. La supérette, c'est féminin. Donc, on doit dire comment? Ils vont, oui, ça c'est bien. Margot, très bien. C'est la supérette. Comment on doit dire? Ils vont au, c'est si c'est supermarché. Ils vont à la supérette. Ils vont à la supérette. Viviana, Paris, ce n'est pas un pays, c'est une ville. Paris, c'est une ciudad. Ils vont à la supérette tous les matins. À la supérette tous les matins. Hay que acordarse de algo y es que van a utilizar ale a la si es un lugar femenino, a la, pero para países solo se utiliza a, on dit il va a Paris, países o ciudades, on ne dit pas je vais à la Paris ou je vais à la Monaco, non. Se dice, je vais à Paris, je vais à Monaco, je vais à Madagascar. Par contre, je dis, je vais à la supérette, je vais à la poste, ils vont à la poste.
Ensuite, nous, venir Mexique. Nous, venir Mexique. On habitait Cancun et on allait plage. Camila Montes, très bien. Johan, ta phrase est correcte aussi, mais dans ces cas, j'avais utilisé le verbe venir. Attention au piège pour les amis qui pensent que Mexique, c'est un pays féminin. Le Mexique, c'est un pays masculin. C'est pour ça qu'on dit nous venons du Mexique. Nous venons du Mexique. Nous venons du Mexique. Le Mexique, c'est un pays masculin, même s'il finit par E. C'est un piège. Eso siempre es como una trampita que se le hace a las personas que están empezando a aprender francés para que sepan que aunque la mayoría del tiempo los países que terminan en E son femeninos, no es la regla para todos y que hay excepciones, entre ellas México. Le Mexique. Nous venons du Mexique. On habité Cancún. Marie, très bien. Cancún, c'est une ville. Donc, comment on doit dire? On habite à Cancún. Bravo. On habite à Cancún. Souvenez-vous que les pronoms on va les conjuguer comme si c'était la troisième personne du singulier. El pronombre on se conjugue comme il et comme elle. C'est pour ça qu'on dit on habite à Cancún. Et on allait plage tous les soirs après le travail. Est-ce que le mot plage, c'est féminin ou c'est masculin? Comment c'est les pronoms plage? Ok, bravo. On va à la plage. On va à la plage. On va à la plage. La plage, c'est un mot féminin. On va à la plage tous les soirs après les travails. Quelle vie? Quelle vie? Habiter au Mexique, à Cancun et aller à la plage tous les soirs. Cool. Bravo. Félicitations. Muy bien con esta parte de los temas aprendidos. Muchos recuerden bien cómo hacer las construcciones con la preposición a o con la preposición de. Siempre es venir de y aller a, habité a. Y dependiendo de lo que sigue, si es un país o si es un lugar, vamos a cambiar las formas de esa preposición. Maintenant, on va faire une petite rappel de Madrid et ses endroits, cette fois pour utiliser les présentatifs. Est-ce que vous vous souvenez des endroits à Madrid? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait fait ces jours-là? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hecho con Madrid? On avait parlé de la cathédrale de l'Almudena, on avait parlé des musées du Prado, du parc du Retiro. On avait parlé de ces supermarchés, donc ça c'est des symboles des supermarchés. Mercadona, El Rastro, l'hôpital. Viviana, no hay problema. Esto que habíamos hecho con Madrid y sus lugares fue para explicar los presentativos. Et on avait vu ça. Donc ici, c'est la carte du centre de Madrid. C'est la carte du centre de Madrid. Et il y a plein d'endroits dans le centre de Madrid. Hay muchos lugares en el centro de Madrid. Qu'est-ce que je veux maintenant? Vous allez décrivez la zone, vous allez décrire la zone du centre de Madrid. Décrivez la zone centre de Madrid. Et vous allez utiliser les présentatifs c'est, ce sont, il y a.
Clara, si puedes decir nous allons à la plage, tú puedes decir nous allons à la plage. Pero si está con on, tienes que decir on va à la plage. Tu peux dire on va à la plage ou nous allons à la plage. Ahora, ¿qué quiero que hagamos en este ejercicio? Vamos a hacer un recorderis de los presentatifs. C'est, ce sont et il y a. Si nous accordamos que son c'est y ce sont, s'utilisent para présenter ou décrire des personnes ou des choses. Par contre, il y a, on va l'utiliser plutôt pour exprimer la présence ou l'existence de quelque chose. C'est y ce sont es para presentar y describir, mientras que il y a es para mostrar como la presencia de algo. Voilà, donc vous allez me dire avec les phrases que je vous présente ici, si on doit utiliser ce sont ou il y a. D'abord, le centre de Madrid. Oui, c'est le centre de Madrid. 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 Des musées comme le musée du Prado et le musée des Illusions. Attention ici au piège. Vous pouvez utiliser, je vois que vous êtes en train d'utiliser ce son. Ce son. Ce sont des musées comme le musée de Prado et le musée des Illusions. Pero acá, yo lo que quiero explicar es que estamos describiendo la zone. O sea, estamos describiendo. Donc, c'est le centre de Madrid. Et plutôt, on doit dire il y a. C'est le centre de Madrid. Estoy primero presentando el centro. O sea, es el centro de Madrid. Je veux dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a des musées. Comme le musée du Prado et le musée de las Ilusiones. Hay varios museos. Es el centro de Madrid. En él hay varios museos. Ce sont des musées comme le musée du Prado et le musée de las Ilusiones. Sí se puede decir, pero no en esta frase, porque ya empezamos presentando el centro de Madrid. Si tú estuvieras utilizando una frase diferente, sí estaría correcto. Ensuite, deux supermarchés. On est en train d'exprimer la présence des deux supermarchés. Qu'est-ce qu'on devrait utiliser ici? C'est ce sont ou il y a. Il y a deux supermarchés. En el centro de Madrid, ¿qué hay? Porque recuerden que estamos describiendo la zona de Madrid. Donc, c'est le centre de Madrid. Il y a des musées comme le musée du Prado et le musée de las Ilusiones. Il y a deux musées, il y a deux supermarchés. D'accord. Il y a deux supermarchés. Et ensuite, Mercadona et El Rastro. Ce sont, bravo, ce sont Mercadona et El Rastro. Cuando presentamos, estamos presentando el mapa. Voilà. Donc, on dit, hay dos supermercados y vamos a decir cuáles son sus nombres. On est en train de décrire les noms. Ce sont Mercadona et El Rastro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le centre de Madrid? ¿Qué más hay? Il y a un marché. Il y a un marché. Bien dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le centre de Madrid? Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un marché. Et il s'appelle comment ce marché? C'est le marché. Ah oui, là ici, je me suis trompée. C'est le marché de Saint-Miguel. Il y a un marché. C'est le marché de Saint-Miguel. Et si je vous avais mis. Déjà la réponse. Il y a un grand parc. Il y a un grand parc. Il y a un grand parc. Comment on dit? C'est le parc de Retiro.
C'est le centre de Madrid. Il y a des musées comme le musée du Prado et le musée des Ilusiones. Il y a deux supermarchés. Ce sont Mercadona et El Rastro. Il y a un marché. Il y a SAI. Viviana, il y a SAI. Hay un mercado. Que hay en el centro de Madrid. Hay un mercado, hay dos supermercados, hay un gran parque. C'est le marché de San Miguel. Il y a un grand parc, c'est le parc du Retiro. Donc maintenant, dorénavant, de ahora en adelante, cuando ustedes le presenten a algún lugar una foto o algo para describir, ustedes pueden empezar a decir, si por ejemplo es la foto de alguien, una foto de su familia, ustedes pueden decir, pueden empezar diciendo, c'est ma famille, il y a mon père, ma soeur et ma mère, si quieren describir. C'est ma famille, il y a mon père, ma soeur et ma maman. Así pueden empezar a describir. C'est et il y a sont des mots hyper importants. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Otra vez super bien por esta vez. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver de nuevo un video. Ouais, c'est bien. C'est bien, Hugo. Voilà, c'est la photo de ma famille. Voilà, c'est la photo de ma famille. Et là, tu peux commencer la description. Il y a mon père. À gauche, il y a mon père. À droite, il y a ma mère. Et au milieu, il y a ma sœur. Comme ça, tu peux faire la description. Ok. Ahora vamos a pasar de nuevo a otro tema. Esto es para que veamos un video que ya habíamos visto. Pero yo lo que quiero es testear cómo van, cómo en escucha, porque este video ya lo hemos visto varias veces y quiero ver qué tanto pueden retener. Quelle est l'idée avec cette vidéo? Maintenant, on va regarder la vidéo du week-end à Bruxelles et vous allez noter les lieux de la ville que vous voyez sur la vidéo. Vous allez noter les lieux de la ville que vous voyez sur la vidéo. Est-ce que vous avez compris ce que je veux? Est-ce que vous avez compris ce que je veux? Entendieron? Est-ce que vous avez compris ce que je veux pour cette vidéo? Ok. Ok, je vois qu'il y a des personnes qui me répondent, donc on va commencer. Vous me dites si vous écoutez. Non, c'est qui pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Vamos a verlo acá. Viviana, lo que yo les quiero, lo que les estaba diciendo era, vean el video y lo que van a hacer es escuchar y van a anotar los lugares que la persona va a decir. ¿Ok? Bruxelles, la capitale de la Belgique et de l'Union Européenne. Mais c'est surtout une ville cosmopolite à taille humaine qui regorge de choses étonnantes à découvrir à seulement 1h20 de Paris en train et 1h30 de Bordeaux en avion. Allez, venez, on va aller voir ça de plus près. Je voudrais commencer par vous présenter la personne la plus connue de tout Bruxelles. Le mannequin Peace. Et il a beau faire pipi devant tout le monde, ah, les gens l'adorent. C'est peut-être parce qu'il se déguise tout le temps. Si vous êtes fan de tourisme culturel, à Bruxelles, c'est sur la place royale qu'il faut venir. Elle réunit le palais de Charles Quint,
et les deux musées très renommés des instruments de musique et de l'artiste Magritte. Et si vous voulez le trouver facilement, j'ai un bon point de repère. C'est à côté de l'Atomium. Ah, nous on a la Tour Eiffel, eux ils ont l'Atomium. Ok. Alors là, si. Quels sont les lieux de la ville que vous voyez sur la vidéo? Quels sont les lieux de la ville que vous voyez sur la vidéo? ¿Cuáles son los lugares que vieron en el video? Oui, c'est Bruxelles. C'est Bruxelles. Un musée. La Grande Place Royale, l'Atomium, la Grande Place, l'Atomium, oui, un musée, oui, il y avait des musées. Est-ce que vous avez retenu le nom des musées? Le Mannequin Pis. Le Mannequin Pis, l'Atomium. Musée, Bruxelles, la capitale de Belgique, le musée de l'Extrême-Orient, le palace de Charles-Quint, Magritte. Oui, non, mais super, vous avez bien retenu plein de choses. Au début, il parlait de le mannequin pisse, donc les petits hommes qui pissent. Il y avait la place royale. Il y avait les palais de Charles-Quint. Il y avait aussi les musées des instruments de musique. Donc, il en parlait que à la place royale, il y avait le palais des Charles-Quint. Il y avait aussi les musées des instruments de musique et les musées Magritte. Les musées Magritte. Magritte, c'est un artiste belge. Magritte est un artiste belga. Et elle, no me acuerdo cuál es su corriente. Pero hay una pintura muy famosa de él en la que es como una pintura de él detrás de una manzana. Et il y avait aussi les musées d'Extrême-Orient, c'était vers la fin, avec l'Atomium. Mais je vois que vous avez déjà commencé à affiner l'oreille, donc c'est bien. Bravo! L'Atomium, donc il y avait le Mannequin Pis, la Place Royale, le Palais des Charles-Quint, le Musée des Instruments de Musique, le Musée Magritte, les musées d'Extrême-Orient et l'Atomium. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à demander... Oui, il y avait Tintin aussi, Margot. Tu as raison, il y avait Tintin. Tintin ou Tintin? Es un cómic que crearon en Bélgica. Les aventures de Tintin. Ahora, ¿qué quiero? Estamos en Bruselas, on est à Bruxelles, et on va faire une mise en situation. Nous allons faire une mise en situation. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, maintenant, vous êtes mon public et vous êtes à la gare de Bruxelles. Vous êtes ici. Vous êtes à la gare de Bruxelles et vous voulez voir un musée, le Mannequin Pis et une église. Vous êtes des touristes. Vous devez demander le chemin à un ou une bruxelloise. Vous devez demander le chemin à un bruxellois ou à une bruxelloise. Parce que vous êtes des touristes, vous arrivez à Belgique, en Belgique, pour la journée, vous arrivez à Bruxelles pour la journée et vous voulez découvrir un musée et le Mannequin Pis. Vous voulez voir où c'est. Et c'est la mise en situation.
Ustedes están en la estación de trenes de Bruselas. Vinieron por el día y quieren conocer el Manneken Pis, algún museo y una iglesia. Y lo que van a hacer es que le van a preguntar a una persona de Bruselas cómo llegar a algún lugar. ¿Qué quiero saber en primer lugar? Donc, il y a un musée. Ici, le musée, c'est Magritte, c'est celui-là. Vous l'avez vu sur la vidéo. Et l'autre musée, c'est le musée d'instruments de musique, des instruments de musique. También lo vieron en la vidéo. Le Manneken Pis. Ici, c'est la cathédrale de Bruxelles. Es una iglesia de Bruselas. Y esto es un lugar que se llama la Galerie Royale. La Galerie Royale es como un pasaje comercial en el que tú pasas por aquí para ir a algunas boutiques y comprar o también comer. Sobre todo en este, en esta Galería Royal de Bruselas hay muchas tiendas de chocolates porque el chocolate belga es muy conocido, entonces ahí se concentran muchas tiendas de chocolates. Voilà. Ahora, je veux savoir, comment demandez-vous des instructions? Et quelles expressions utilisez-vous? Comment demandez-vous des instructions et quelles expressions utilisez-vous? Pour demander l'itinéraire ou la direction, comment vous faites pour demander des instructions et quelles expressions utilisez-vous? Quelles sont les étapes? ¿Cuáles son esas etapas para preguntar una dirección? Quelles sont les étapes? Quelles sont les expressions que vous allez utiliser? Oui, super. Oui, très bien. D'abord, c'est ce que c'est. Oui, pouvez-vous m'indiquer comment je peux arriver à excusez-moi, monsieur, madame. Excellent. Excellent. D'abord, c'est dire bonjour. Dire bonjour, ça comprenne pardon, bonjour, excusez-moi, bonjour, bonjour madame, excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, pardon madame, monsieur. Ensuite, donc il y a les mots que vous me dites après, les expressions pour demander votre chemin. Donc il y a pouvez-vous m'indiquer les chemins, comment je peux aller à, est-ce que vous pouvez. Où est la gare? Où est comment j'arrive? Bravo, ça c'est super. Ça c'est les expressions. Ensuite, donc il y a une troisième partie, c'est là où vous faites l'échange avec la personne. La personne va vous écouter. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écouter et noter les instructions du bruxellois ou de la personne qui vous donne des instructions. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on vous donne les instructions. Cuando ya les dieron las instrucciones, ¿qué es lo último que hay que decir? ¿Quel est le mot de la fin? ¿Cuáles son las palabras del final? Cuando ya les ayudaron, ya saben cómo ir. ¿Qué tienen que decirle a la persona? ¿Qu'est-ce que vous voulez dire? ¿Qu'est-ce que vous devez dire à la personne à la fin? Oui, super, María. Très bien, merci madame, merci monsieur, merci, dire merci et au revoir. C'est très bien. Donc, toutes ces expressions que vous avez dites déjà et comme vous l'avez fait, c'est des expressions de politesse. Utilisez toujours des expressions de politesse. Vous pouvez me dire comment je peux y aller, où se trouve quelque chose s'il vous plaît. Ça, c'est les pas. Donc, bravo. Donc, vous savez maintenant, je suis très contente parce que vous avez déjà en tête les structures. On va faire maintenant un exercice pour demander comment aller. Alors, si pour aller au musée, donc vous allez me donner des expressions pour aller au musée, pour saluer. Qu'est-ce que vous dites si vous voulez aller au musée? D'abord, vous allez saluer. On va faire la mise en situation pour aller au musée. Qu'est-ce que vous dites d'abord? Pour saluer, vous dites quoi?
¿Qué es lo primero que dicen? Para saludar, ¿qué dicen? Bonjour, oui. Bonjour, c'est bien. Oui, saludar. Mais comment tu vas saluer, Esther? Maléja l'a dit bonjour. Quelle autre expression pour saluer? Saluer. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, excuse-moi. Bonjour, excuse-moi. Bonjour, excuse-moi. Oui, comment ça va? Je crois que pas beaucoup. No le decimos mucho cómo va la persona porque no queremos saber cómo está. Más que todo es como llamarle la atención. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, madame, monsieur. Ou pardon, madame, monsieur. Ça, c'est des expressions que vous pouvez utiliser. Bonjour, excusez-moi. Ou excusez-moi, madame. Excusez-moi, monsieur. Pardon, madame. Pardon, monsieur. Maintenant, comment vous allez demander votre chemin pour aller au musée? Quelles expressions vous allez utiliser pour aller au musée? Je vois, Valeria, tu as déjà donné. Clara, ça va. Il faut faire des corrections sur la conjugaison, mais je comprends ce que tu veux dire. Valeria, très bien. Excusez-moi, je cherche un musée. Pouvez-vous m'indiquer les chemins? Quelles expressions? Donc, je vois déjà, j'ai déjà mis celle de Valeria. Excusez-moi, je cherche un musée. Pouvez-vous m'indiquer les chemins? Je cherche un musée près d'ici. Pouvez-vous m'indiquer les chemins? Maléja, très bien. Comment j'ai pu aller au musée Magritte? Pouvez-vous me dire où est le musée Magritte? Très bien. Oui. Par exemple, où est le musée Magritte, s'il vous plaît? Ça, c'est une expression. Pouvez-vous me dire où est le musée Magritte, s'il vous plaît? Comment je peux aller au musée Magritte ou au musée des instruments de musique, s'il vous plaît? Je voudrais aller aussi, c'est possible. Pouvez-vous me dire où se trouvent les musées? Ça, c'est aussi des bonnes expressions. Je vais allumer la lumière. J'arrive. Muy bien. Me parece muy bien. Están muy bien con expresiones. Las expresiones que me dijeron ahí en el chat está muy bien. Pouvez-vous me dire comment est-ce que je peux arriver au musée? Pouvez-vous me dire où se trouve le musée? Ou où est le musée? Où est le musée, s'il vous plaît? Voilà. Ah, alors, maintenant, si vous voulez aller voir les mannequins PIS, pour les salutations, c'est bon. Pour aller voir les mannequins PIS, comment vous allez demander votre chemin? Ahora, si quieren ir a ver el mannequin PIS, como dicen. ¿Quelles expressions allez-vous utiliser? Comment demandez-vous pour aller voir le mannequin PIS? Si vous voulez allez voir les mannequins PIS, comment demandez-vous votre chemin? Comment preguntan para ir a ver al mannequin PIS? Comment vous demandez? Dites-moi. Je ne vois pas des réponses. No veo respuestas en el chat. No veo respuestas en el chat. Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que le mannequin PIS est près d'ici? Je cherche le mannequin PIS. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Esther, tu dois dire m'indiquer le chemin, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire où est le mannequin PIS? Je veux aller au mannequin PIS. Comment est-ce que je peux aller là? Bon, c'est bien, c'est bien. Je cherche le mannequin PIS. Pouvez-vous m'indiquer les chemins? Ça, c'est une option. Je veux voir le mannequin PIS, mais je suis perdue. Ça, c'est une option.
Je veux voir le malécampisme, mais je suis perdue. Quiero ver el malecampista, pero estoy perdido o perdida. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Sí, Clara, lo que yo les pongo acá, acá son ejemplos de lo que pueden usar, pero ustedes me están dando más opciones. Las opciones que ustedes me están dando en el chat también están muy bien. Pouvez-vous me dire où est le malécampista? Je veux aller voir. Hugo, ¿puedes decir mejor? Je veux aller voir. Quiero ver, quiero ir a ver el malécampista. Comment je peux arriver au malécampista? Estas son opciones que yo les doy, pero con las otras expresiones que ustedes ya tienen, pueden construir la frase. Pero yo aquí les pongo más ejemplos. Judith, oui, bonjour, est-ce que c'est moi, madame? Pouvez-vous me dire comment je peux aller au malécampista? Esta es una expresión que les doy como de ejemplo, es como, je veux voir le malécampista, quiero ver al malécampista, pero estoy perdido o perdida. Mais je suis perdu, perdu sans E es masculino, je suis perdu, estoy perdido. Perdu avec E es estoy perdida. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Estas son expresiones. Aquí ya hicimos las dos primeras partes, saludar y preguntar cómo ir a algún lugar. Ahora vamos a cambiar la situación. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant, vous étiez les touristes. Maintenant, vous allez être les Bruxellois. Ahora, vamos a cambiar la situación. Antes eran ustedes los turistas, ahora van a ser los habitantes de Bruselas. Vous habitez à Bruxelles et vous rencontrez un ou une touriste à la gare. Il ou elle cherche son chemin. Aidez le ou la touriste à trouver son chemin. Ahora vamos a cambiar. C'est très difficile, Esther. C'est très difficile, tu ne comprends pas. No entiendes. Je vois. Ahora, antes estábamos en preguntar una dirección. Ahora vamos a indicar una dirección. Antes ustedes eran quienes preguntaban la dirección. Ahora van a indicar la dirección. Moi, je vais être la touriste et vous allez être les Bruxellois. Je vais être la touriste et vous allez être les Bruxellois. Ahora yo voy a ser la turista y ustedes van a ser las personas de Bruselas. Ahora ustedes me van a ayudar a encontrar el camino. Si partimos de aquí, pour aller au musée, yo les digo, bonjour, excusez-moi, je cherche un musée près d'ici. Pouvez-vous m'indiquer les chemins? Yo soy la touriste. Vous devez alors répondre aux questions. Maintenant, vous allez répondre aux questions. Ahora son ustedes los que me van a responder a mí. Ustedes, ahora para hacerles como la tarea un poquito más fácil, me van a indicar cómo ir al Musée Magritte. Bonjour, vous pouvez aller voir le Musée Magritte. Bonjour, vous pouvez aller voir le Musée Magritte. Con esta... Con esta dirección que les estoy dando, acá en la pantalla, ¿cómo me indicarían ir al Museo Magritte? ¡Ah, super, José! Te dis, j'ai le temps, si tu veux, je peux le prendre. Ok. Pero quiero que me digan más o menos cómo vamos a hacer la...
¿Cuáles son las indicaciones que me tienen que dar? ¿Quelles indications? ¿Cómo vous allez indiquer l'itinéraire? Acuérdense de las palabras. Vous prenez la rue, vous tournez à droite, vous tournez à gauche, vous continuez tout droit. ¿Cómo vous allez dire? Si hay que tomar esta calle, que se llama rue Kanzersten, ¿cómo tienen que decir la primera indicación? Quelle est la première étape que je dois faire pour arriver au musée Magritte? Je vois qu'Esther me dit, vous prenez, Alejandra, vous prenez quoi? D'abord, il faut faire quoi? D'abord, vous prenez la première, oui, vous prenez la première à droite. Et aquí es un poquito tricky. Porque tiene que ver cómo es el puntero. Este puntico puede estar mirando hacia allá. O sea que esa es la izquierda y esa es la derecha. Mais c'est bien pour Valeria. Sauf que, bon, là j'ai mis, vous prenez la rue Kanzersten en direction nord-est. Ici j'ai mis, vous prenez la rue Kanzersten en direction nord-est. Mais tu as raison, André, parce qu'il y a un chemin plus facile. Vous prenez la rue. Oui. Es verdad que se puede ir uno aquí, vous prenez tout droit. Se puede decir, vous prenez tout de suite tout droit. Pero aquí yo les muestro otro camino. Sí. Oui, c'est bien. Vous me proposez des bons chemins. Prendre la rue Kanzersten tout droit jusqu'à l'intersection de la rue Ravensten. Ça, c'est une bonne indication. Ça, c'est une bonne indication, José. Ici, je vous propose une autre manière. Donc ici, j'ai dit, vous prenez la rue Kanzersten en direction nord-est. Parce que ça, c'est le nord-est. Direction nord-est. Et puis, vous tournez à droite, rue Ravensten. J'ai dit, vous tournez à droite, rue Ravensten. Elle est loin, Clara. Vous pouvez aller à pied, mais c'est un kilomètre. Oui, ça, il faut prendre le métro si tu dis ça, c'est vrai. Clara dice que si, que yo podría ir à pied. Pero que sea un kilómetro, o sea que va a ser lejos. Pilar propone, vous prenez tout droit, tout droit. Entonces ahí Pilar, como dices tout droit, no puedes poner la E, sin la E, tout droit. Vous prenez tout droit, porque si no es à droite. Vous prenez tout droit, après à droite. Après à droite. Ok. Depuis, vous tournez à gauche. Oui, ça c'est bien, Pilar. Prenez la direction sud-ouest. Oui, ça c'est une bonne option aussi, Hugo. J'ai dit ici, vous continuez sur la même route. Vu que ici on tourne, mais on continue. Vous pouvez dire, vous continuez tout droit. Vous continuez tout droit. Siga derecho. Ou vous continuez sur la même rue. Et je dis au bout de la rue, al final de la calle, au bout de la rue, vous trouverez le musée Magritte sur votre gauche. Ça, c'est mes indications. Donc, oui, ça c'est bien aussi, Margot. En direction nord-est et tournez à droite. Oui. En direction sud-est. Oui, c'est bien. Ça, c'est une bonne indication aussi si on va utiliser les points cardinaux. Si utilizamos puntos cardinales, está bien. Vous prenez la rue Kanzersten en direction nord-est. Ensuite, vous tournez à droite, rue Ravensten en direction sud-est. Sud-est, oui. Ça, c'est super. Esta es mi proposición. Pero las proposiciones que ustedes están dando es como para una dirección hay miles de posibilidades. Lo mismo están haciendo ustedes ahí. Vous prenez la rue principale
Après, vous continuez sur la première rue et vous tournez à droite. Après, vous continuez. Ici est le musée. Ici, tu dis, vous prenez la rue principale. Après, vous continuez sur la première rue. Oui, là, ici, il faut dire un peu, vous tournez à gauche, par exemple. Et après, vous tournez à droite. José disait, prendre à droite et continuer vers le sud dans la mer brune. Au bout de la rue, vous, tu les trouveras. Oui, ça aussi. Pero no, están muy bien ahí con, como con expresiones. Me parece muy bien. Lo difícil con las direcciones es saber decir cuándo es a la derecha y cuándo es a la izquierda. Porque cuando estamos acá, como estamos como en dos dimensiones, a veces ustedes, su izquierda es un lado y su derecha es una otra. Pero estando como en el punto, ustedes miran derecha, izquierda. À droite, à gauche. Viviana, si no entiendes, te recomiendo que vayas a la clase de... te voy a decir qué clase fue. Clase del 2 de septiembre. Ahí vimos en detalle las expresiones para dar la dirección. Vous prenez, vous tournez, vous continuez, au bout de la rue... à droite, à gauche, todas estas expresiones las vimos ese día. Entonces, te recomiendo mucho que vayas a esa clase del 2 de septiembre para que veas la teoría y que luego vuelvas a ver acá para que hagas la práctica. Porque como me dices que eres nueva, por eso tal vez es difícil. Ok. Ahora, j'ai vu une deuxième. Pour aller voir le mannequin PIS. Maintenant, je veux aller voir le mannequin PIS parce que je suis la touriste. Pardon, madame, pardon, monsieur. Je veux voir le mannequin PIS, mais je suis perdue. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Attention. Le voy a decir a Jenny que ponga el blog para que lo puedan ver. El blog de la clase, en el blog de la clase de Guatel Clinic, puedes ver cómo se ingresa al blog. La chica de Colombia Lozuna va a poner el link. Je suis toujours à la gare. Hugo, je suis toujours à la gare. Regardez les chemins. Dites-moi, je suis toujours à la gare. Donnez-moi les instructions pour aller voir le mannequin PIS. Si on suit cet chemin, ou le chemin que vous voulez, si vous voulez faire un autre chemin, c'est comme vous voulez. Ici, je vous propose un chemin. Comment je peux aller voir le mannequin PIS? Quelles sont les instructions que vous pouvez me donner? Ok, merci, José. Merci de m'aider. Est-ce que vous pouvez me donner les indications alors? Bonjour, pour aller voir le mannequin PIS, comment vous allez me dire les directions, s'il vous plaît? Comment aller voir le mannequin PIS si je suis à la gare et je suis ce chemin? Je vous donne une piste d'abord. Vous prenez la rue Kantersten. Là, ici, j'ai mis en direction sud-est. Sud-ouest, oui. Vous prenez la rue Kantersten en direction sud-ouest. Oui, c'est bien aussi, Hugo. Vous allez tout droit. Tout droit, c'est tout droit. Pas avec droite. Tout droit en direction sud-ouest sur la rue Kantersten. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour y arriver. ¿Cuáles son las otras instrucciones que me tienen que dar? Ici, c'est la première partie. Pero aquí es igual acá, o sea, todavía no he llegado. ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo es que je peux arriver ici? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Avec les boulevards de l'Empereur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis rue Kinterstein. Vous continuez tout droit et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je continue tout droit, oui. Mais si je continue tout droit, bon, je peux passer par ici. Aquí hay un cambio de nombre. Eso es un poquito raro en Francia, en Europa. Aquí veníamos con nombre de calle y solo hizo un desvío y cambio de nombre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, puis vous tournez à droite, boulevard de l'Empereur. Parce que je viens ici, je tourne à droite, boulevard de l'Empereur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire rue de l'Escalier? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse rue de l'Escalier? ¿Qué hay que hacer en rue de l'escalier? Ya vengo por acá. Je suis par ici. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ça, c'est rue de l'escalier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse rue de l'escalier? ¿Qué tengo que hacer en rue de l'escalier? Oui, oh, c'est super ça. Prenez le boulevard de l'Empereur. Oui, ça c'est bien aussi. Quand vous arrivez à la place de la Libertine, prenez la rue, les boulevards de l'Empereur. Ça c'est bien. Vous devez prendre la rue Kinterstein tout droit vers le sud-ouest. La rue se divise en deux. Tournez à droite sur les boulevards de l'Empereur. Ça c'est bien aussi. Après, prendre à gauche. Tournez à gauche. Oui, je les vois plutôt à droite parce que je suis ici. Yo lo veo un poquito como... Algunos lo ven a la izquierda. Si venimos así, sí, es la izquierda. Pero si yo vengo así, esta es la derecha. Vous continuez sur la même route. Allez, ici, je dis la même rue parce que je tourne à droite. Je continue sur la même rue. Et je dis tourner à droite. Pero eso es porque depende de cómo lo veamos. O sea, si yo vengo así, yo vengo en esta dirección, aquí yo voy a girar a la derecha. Si yo viniera de esta manera, voy a girar a la izquierda. Ok. girar a la... tourner a droite. Donc, je vois ici, vous prenez la rue Kinterstein, tout droit, direction sud-ouest jusqu'au boulevard, et tournez au nord-ouest, tournez à la troisième à droite. Tournez à droite lorsque vous arrivez à la rue de l'escalier, marchez de pattes des maisons et vous le trouverez. Marchez de pattes des maisons et vous le trouverez. Otra manera de decir acá es como au bout de la rue, al final de la calle, porque vean que acá se acaba la calle. Tournez rue de l'escalier. C'est quoi ça? Tournez à droite rue de l'escalier y aquí es el final de la calle. Entonces pueden decir au bout de la rue, au bout de la rue, vous tournez à gauche et vous êtes arrivé. Oui, c'est bon, vous continuez à droite et vous arrivez là. Vous êtes arrivé. Recuerden, aquí es como si yo vengo en esta dirección, esta es mi izquierda. Esta es mi derecha. À gauche, vous tournez à gauche. Et vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé sans E final si es hombre y arrivé con E si es mujer. Hay que practicar bastante los ejercicios,
Entonces, acuérdense que en la clase del 2 de septiembre yo les dejé muchos ejercicios para practicar las direcciones. Hay que seguir practicando las direcciones. Ça c'est... Vous êtes déjà bien, vous commencez à avoir du vocabulaire, mais il faut continuer à pratiquer. Ça, c'est très important. Ahora vamos a ver. Si, ici. Vamos a ver où est le rendez-vous. Maintenant, vous devez visiter certains commerces avec votre père. Où allez-vous vous voir? Vous devez visiter certains commerces avec votre père. Où allez-vous vous voir? ¿Qué quiero que hagan aquí? Vous allez associer la photo à la phrase. Quelle photo convient pour chaque phrase? Donc, où allez-vous vous voir? Ici, à la pharmacie, chez les coiffeurs, dans les magasins de chaussures, chez les marchands de fruits et de légumes. Quelle photo correspond à chaque commerçant? Quelle photo correspond à chaque commerçant? Quelle photo correspond à cada comerciante? Quelle photo correspond à la pharmacie? Quelle photo correspond à la pharmacie? Quatre, à la pharmacie. Chez les coiffeurs. Comment c'est chez les coiffeurs? Où c'est chez les coiffeurs? Chez les coiffeurs. Un. Très bien. Dans le magasin des chaussures. Si on va se retrouver dans le magasin des chaussures, c'est lesquels? C'est laquelle? Quel numéro pour les magasins des chaussures? Quel numéro pour les magasins des chaussures? 3, oui. Et le dernier, chez les marchands des fruits et des légumes. La dernière, c'est laquelle? Marchands des fruits et des légumes. Chez les marchands des fruits et des légumes, c'est laquelle? Il ne reste qu'une seule. Ouais. Donc, c'est la 2. J'ai vu une question de Daniela. Daniela, para decir al final de la calle se dice así, au bout de la rue, au bout de la rue, au bout de la rue, así se dice al final de la calle, au bout de la rue, au bout de la rue. Au bout de la rue, se dice así, al final de la calle. Et ahora que quiero una pregunta. ¿Tienen, por ahora tienen preguntas y respuestas? O, porque ya nos queda poco tiempo, quiero saber si hay preguntas. Además de la pregunta que Daniela hizo, ¿es que hay otra cuestión? ¿Hay más preguntas? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il n'y a pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Hugo, tu es clair. Tu es clair comme l'eau. Tout est clair. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? No veo preguntas. Asumo entonces que, como Hugo dice, todo es claro. Todo es claro. Vamos a, tenemos tiempo entonces para hacer un último ejercicio antes de que se acabe la clase. Je n'arrive pas a penser a quoi que ce soit. Ok, bah tu n'as pas de questions.
se puede decir, es necesario siempre escribir C o se puede escribir E. Clara, C, attends, je vais te montrer. C, tú lo vas a utilizar para presentar a alguien. Por ejemplo, c'est mon père. C'est mon père. Si tú quieres presentar a alguien, como c'est mon père o c'est Madrid, si vas a estar presentando, utilizas ce. Pero si no, ya después puedes decir, il est adorable. Ahí no tienes que utilizar c'est adorable. Lo que pasa es que ce, este ce, reemplaza el pronombre. Eso es lo que hace ce. Es reemplazar ese pronombre. C'est mon père. En vez de decir, il est mon père, tú dices, c'est mon père. Ahí estás reemplazando el pronombre. O sea que no siempre lo vas a escribir. Pues hay una manera de reemplazarlo y es, si no quieres escribir c, vas a escribir el pronombre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? ¿Hay más preguntas o no hay más preguntas? Sí, algo que les quería decir es que para los ejercicios vayan al curso porque ahí van a tener muchos, muchos ejercicios. Para terminar, un dernier exercice avec, ¿cómo se dice? En diagonal A. ¿Cómo se dice en diagonal A? Eso está muy duro. Claudia, en diagonal A, ¿cómo se dice? En diagonal A. Que quiere decir como la diagonal Carrefour. Un Carrefour es un semáforo. Carrefour es un semáforo. Carrefour es Carrefour. El Carrefour es un es un lugar donde se cruzan muchas calles. Eso es un carrefour. Y en diagonal A, lo tienes que decir en diagonal A. Yo creo que puedes decir como en diagonal, en diagonal. Es como diagonal A, diagonal A. Creo que puedes decir así, diagonal A. ¿Qué otra cuestión? Glorieta. Glorieta dices, sí, un carrefour es un cruce. O sea, eso es un cruce. Diagonal A y glorieta se dice rond-point. Rond-point es una glorieta. Así se dice rond-point. Un rond-point es una glorieta. En Francia utilizan mucho los rond-points. En France, il y a beaucoup de rond-points. Judith Quiroga. ¿Ves aquí en la pantalla de Colombia nos une? Hay un link que se llama curso de francés-senu.blogspot.com. Ahí es donde están los ejercicios. Cada clase dejamos ejercicios del tema. O sea que puedes ir a las otras clases y ver los ejercicios. Je vois que c'est bientôt l'heure. Donc, vous avez eu pas mal de questions par rapport au vocabulaire de la route et de l'indication. Déjà sur ces cours-là, donc c'était les cours du 2 septembre, sur l'article du blog, je vous avais laissé un article où vous pouvez trouver plus de vocabulaire.
En el curso del 2 de septiembre, en el blog les había dejado un artículo donde hay muchas más palabras de vocabulario, porque no podemos ver todo en clase. Entonces yo les expliqué como las palabras más comunes. Donc je vois maintenant que c'est 8h30, donc on arrive à la fin de notre cours. Aujourd'hui, c'était un cours de révision, on n'a pas appris d'autres choses, mais on s'est bien amusé parce qu'on a vu tout ce qu'on a vu ensemble. Donc je vous dis merci beaucoup pour ces cours et de votre participation. On se retrouve mardi prochain avec David et je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en France. Vous voyez, il est déjà nuit. Et une bonne après-midi pour les gens en Colombie. Au revoir.